c'est fini. À quoi tu penses? Tu veux détruire tout ce qu'on a fait? Tu ne retourneras jamais à la maison. Le vieux était furieux. Je peux pas lui en vouloir, j'ai failli causer notre perte. Il m'a dit d'accepter la réalité, de me concentrer sur ma survie. Et j'aurais dû l'écouter. Alors, je me suis promis que je ferais de mon mieux, que je travaillerais dur. Tant que l'île était plus forte que moi, il n'y avait aucune échappatoire. Environ 6 mois après l'effondrement de la tour, un nouveau genre de monstre a fait son entrée. Je sais pas ce que c'était, mais ça tuait tout ce qui était vivant sur l'île. Je vous laisse imaginer à quel point on était dans la merde. Le vieux a redoublé d'efforts pour la chasse. Vaut mieux stocker que tout voir partir en fumée, non? N'oublie pas, retour avant le coucher du soleil. L'île est dangereuse la nuit. Ça nous laisse pas beaucoup de temps. Quand tu auras ce qu'il te faut, prends le chemin de la forêt pour me rejoindre. Je vais surveiller la situation de plus haut. Fais attention, Krushka. Ouais, toi aussi. Encore un de ces enfoirés? Merde, ils m'ont vu! Ça devrait aller. On rentre. Parmi les objets, on a trouvé un document. C'était une liste des habitants de l'île qui ont été emmenés aux mines pour servir de cobayes. Lorsque le vieux a vu la liste, il est devenu blanc comme un linge. Il a murmuré un nom, Irina. Un nom qui figurait sur la liste. Plus tard, j'ai su qu'Irina était sa fille disparue. Le vieux a changé depuis qu'il a eu une trace de sa fille. Je peux pas lui en vouloir, un père s'inquiète toujours. J'aurais dû savoir que mon père était pareil, et lui lâcher la grappe. C'était bizarre, je connaissais le nom de sa fille, Irina, mais le vieux refusait toujours de me dire le sien. Je pense qu'il avait peur. Vous savez, de perdre quelqu'un d'autre. Alors, je lui ai fait une faveur et je lui ai jamais donné le mien. Il m'appelait Krushka, c'est tout. Mais en fait, j'aurais aimé qu'il me demande mon nom. Je croyais plus qu'on retrouverait sa fille, mais il me faisait de la peine avec sa solitude. Essayons de trouver ce qui est arrivé à Irina. Ces choses se déplacent sûrement en groupe, on devrait les éliminer.
Avançons, tant qu'on peut. On partira pas avant d'avoir trouvé ce qui est arrivé à Irina. Ne t'égare pas, reste calme, Krolka.
Y'a personne. On peut y aller. On doit pas être loin. Et les monstres sont partout. Le bâtiment a l'air intéressant. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être. Il faut d'abord s'occuper des monstres. Ouais, on ira voir plus tard. Profitons-en pour nous creuser.
Regarde! C'est l'écriture d'Irina. Sans un mot, le vieux lisait les derniers mots de sa fille. Je le voyais confronté à la réalité en me disant... Je ne veux pas que ça arrive à mon père. Je ne veux pas mourir ici. Si mon père est trop protecteur, je laisserai faire. Je préfère ça plutôt qu'il passe le restant de sa vie à regretter de ne pas l'avoir été assez. Pour le vieux... On était arrivé au bout de notre voyage. Sur cette île, et je vais mourir sur cette île, ici, avec Irina. T'es pas obligé. Je suis obligé, mais pas toi. Tu as toute la vie devant toi, Krushka. C'est Moira. Ah. Demande-moi mon putain de nom pour une fois, l'ancêtre. Je te conseille de surveiller ton langage, Moira. Et je m'appelle Yevgeny.